Les Brésiliens, et en particulier les Brésiliennes, ont des silhouettes dont rêvent la plupart des gens dans le monde. Généralement, la forme de votre corps est déterminée principalement par vos gènes, mais aussi par votre mode de vie. Le régime brésilien suivant est l'une des façons de remodeler votre corps et il peut vous aider à perdre jusqu'à 10 kg en un mois. Tout d'abord, il est essentiel d'assimiler les conseils suivants et de les adopter dans votre mode de vie. Faire attention à l'apport calorique. Bien qu'il soit extrêmement important de surveiller votre apport calorique, il est également important de ne pas en devenir obsédé. Il est logique de s'assurer que ce que vous mangez ne contient pas une quantité énorme de glucides ni de mauvaise graisse. Advertising read invented by TEADS. Ne pas manger d'aliments transformés, cela va sans dire. Ne mangez pas d'aliments transformés, car ils contiennent une grande quantité de graisse cachée, de sucre, de sodium et d'autres substances telles que les conservateurs et les additifs qui peuvent nuire à la santé du corps à long terme. Ne pas consommer d'alcool. Il est extrêmement important de ne pas consommer d'alcool pendant le régime brésilien. C'est parce que l'alcool peut facilement contrecarrer les progrès de votre corps et vous devrez recommencer. Essayez de ne pas boire de boissons alcoolisées afin que votre dur labeur ne soit pas perdu. Mangez plus d'aliments sains et ayez un régime qui implique la consommation de légumes, de fruits, de poissons et de poulet. Buvez beaucoup d'eau pour faciliter la digestion de la nourriture. Rappelez-vous, l'eau est le deuxième aliment le plus important que vous pouvez utiliser pour votre alimentation. Connaître ce qui est important. Il est important de faire la différence entre ce dont votre corps a vraiment besoin et le fait de satisfaire vos désirs sans fin qui ne sont que de la pure gourmandise. Advertising read invented by TEADS. La nourriture devrait être bénéfique. Tout ce que vous consommez doit être sain. Évitez les ingrédients lourds tels que les aliments gras, ou des préparations rapides qui peuvent vous rendre encore plus gros qu'avant le début du régime. En plus des conseils mentionnés ci-dessus, et afin de mettre en pratique le régime brésilien, voici ce que vous devez prendre chaque jour pour perdre du poids. Lundi, petit déjeuner, un orange, un banane et un verre de jus d'orange. Déjeuner, 100 g de poisson cuit à l'eau, 100 g de salade de légumes frais. Advertising read invented by TEADS. Dîner, même chose que le déjeuner. Mardi, petit déjeuner, un œuf à la coque, un verre de jus de pomme. Déjeuner, 100 g de viande blanche cuite, 2 pommes de terre bouillies, des feuilles de laitue. Dîner, 200 g de poisson cuit au four, un œuf dur, laitue, pois, frais ou en conserve. Mercredi, petit déjeuner, un verre de jus d'orange, une tranche de pain grillé avec fromage. Déjeuner, 100 g de riz, 150 g de salade de chou frais avec une cuillère à soupe de jus de citron et du persil finement haché. Dîner, 100 g de viande blanche cuite, 1 pomme, 4 feuilles de laitue. Jeudi, petit déjeuner, 60 g d'ananas, un petit morceau de pain grillé. Déjeuner, 100 g de viande blanche au four, un petit morceau de fromage et un orange. Dîner, 2 pommes de terre bouillies, 150 g de salade de carottes râpées assaisonnées d'un filet d'huile d'olive. Vendredi, petit déjeuner, 2 pommes et un petit toast. Déjeuner, 150 g de poisson et 100 g de carottes à la vapeur. Dîner, 2 bols de soupe de poisson ou un bol de soupe aux légumes et 3 morceaux de pain. Samedi, petit déjeuner, 2 verres de jus de pomme, 2 tranches de pain grillé. Déjeuner, un bol de soupe aux légumes ou 2 bols de soupe aux champignons mélangés avec du poisson et un peu de pain. Dîner, 100 g de viande blanche, 100 g de salade contenant des légumes mélangés. Dimanche, le dernier jour du week-end, devrait être un peu plus cool. Vous pouvez consommer des quantités modérées d'aliments de votre choix tels qu'un plat de pâtes. Mais n'en mangez pas beaucoup. Sinon, vous pouvez aussi suivre le menu de samedi, -plus grand que.